Salut à tous, c'est Réré. Ben écoutez, nous voilà pour une nouvelle vidéo. Alors voilà, ça va être une vidéo un petit peu particulière dans le sens où vous connaissez tous les conditions de confinement qu'il y a en ce moment. Je pense que c'est pareil pour la plupart des clubs. Vos élèves ont dû vous demander est-ce qu'il y avait des choses à faire pour pouvoir s'entraîner chez soi. Donc je vais essayer de faire cette chose-là. Ça va pas être facile dans le sens où les entraînements en fait qu'on fait de manière individuelle en Wing Chun, je suis pas forcément un grand fan. J'aime bien pratiquer la plupart du temps avec des gens. Après, je sais que pendant mon apprentissage, j'ai dû passer par là parce que justement, je voulais vraiment progresser et m'entraîner le plus souvent possible et j'avais personne à côté de moi. Donc, j'ai quand même développé des choses. Donc, vous allez voir pas mal de choses que je vais vous montrer. Il y a peut-être des choses qui vont beaucoup vous plaire, d'autres peut-être moins. Mais je prends le risque de vous montrer ça, de vous montrer un peu comment je faisais pour m'entraîner en solo. Aujourd'hui, ça a un peu changé dans le sens où j'utilise pas mal de matériel, vu que ben, voilà, depuis, j'ai pu avoir 2-3 moyens pour pouvoir me payer 2-3 choses. Mais aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous montrer des entraînements où quand vous n'avez rien, vous devez faire avec le peu que vous avez. Et c'est ce qu'on va essayer de voir sur plusieurs petites vidéos. Donc j'espère que vous allez pouvoir vous entraîner chez vous, continuer à faire de l'activité physique. Voilà, moi là je suis dans mon petit jardin, donc ça va, hein, pour l'instant c'est cool. Mais voilà, je suis quand même confiné, j'ai pas de cheveux, j'ai pas de coiffure, mais c'est pas grave, on va enchaîner là-dessus. Donc nous allons commencer avec la notion du centre, donc avec les mains qui sont bien au niveau du plexus. Vous allez commencer à fermer les deux poings, que ce soit le Man Sao ou le Wu Sao, et vous allez juste envoyer de manière tranquille des coups de poing de manière rectiligne. Le poignet avant va passer au-dessus du poignet arrière. On va essayer de travailler pour l'instant essentiellement sur la ligne du plexus. Le but, c'est d'essayer de trouver du relâchement dans ce que vous allez faire. Pour vous relâcher, en fait, c'est très simple, c'est que vous allez tout le temps réouvrir les mains après avoir enchaîné 3 coups de poing, d'accord? Donc ça va déjà être une première chose pour pouvoir réussir à faire cet exercice. Le but, c'est aussi de mettre une intention. Quand on prend le plan justement de profil, on voit bien qu'il n'y a pas de mouvement ou très peu de mouvement circulaire. On essaie vraiment d'aller le plus droit possible, d'accord? Toujours avec ce relâchement de main, on peut travailler aussi à hauteur du buste ou du cou au niveau des coups de poing. Par contre, si on monte au niveau de la tête, on va se rendre compte que ça va être très compliqué. Pourquoi? Parce qu'il y aura trop de tension musculaire au niveau des épaules. Quand on revient après sur le plan de face, une fois qu'on a bien compris le mouvement, on peut repartir sur quelque chose de beaucoup plus rapide, de beaucoup plus détendu. Quand je dis rapide, bien entendu, je ne cherche pas la contraction musculaire. Je vais juste essayer de détendre les articulations, et notamment les articulations du coude. D'accord ? Les poignets restent donc assez tranquilles, dans le sens où on va être très relâché. Comme vous le voyez là, je ne vais même pas fermer le poing, puisque mon but, c'est d'être relax, c'est d'être détente, c'est d'être fluide, de mettre de la vitesse. D'accord ? Vous voyez, au niveau des épaules, il y a peu de mouvement d'épaule, elles doivent rester au même niveau, d'accord? Et légèrement, mais vraiment légèrement avancé, d'accord? Ça va être essentiel. Vous partez toujours sur des séries de 3, d'accord? Et vous essayez de tout le temps avoir les mains ouvertes, puis les fermer quand vous frappez, d'accord? Ensuite, on peut reprendre le même système, sauf que cette fois-ci, on va travailler sur différentes choses. La manière de donner le coup de poing. Certaines écoles vont faire passer un point à côté de l'autre pour être sûr en fait qu'on travaille quasiment en fait en mode croisé, d'accord? Donc moi je préfère, parce que c'est comme ça que je suis fait, passer les poignets l'un au-dessus de l'autre avec un léger frottement de l'avant-bras quand on commence. Ensuite on va voir une deuxième chose. Vous pouvez voir que là mon coup de poing en fait est incliné un petit peu vers l'intérieur. Pourquoi? Parce que vers l'extérieur, excusez-moi. Pourquoi? Parce que tout simplement, il va me permettre de reprendre la ligne centrale. Si vous avez en fait deux Wing Chuners qui s'affrontent, ce sera un petit peu de bête de tous les deux travailler sur la ligne centrale, puisque finalement, on s'entrechoquerait les phalanges. Le but, quand je fais cet exercice-là, c'est de se dire que j'avais cédé, entre guillemets, le centre à mon adversaire pour le reprendre instantanément avec mon nouveau placement de poignet, qui va être en fait l'effet en fait d'une lame. Donc c'est comme si une lame venait à la rencontre d'un bâton et venait couper justement le,
l'un des deux côtés du bâton pour pouvoir glisser et prendre les doigts, par exemple. Là, on est sur un autre type d'exercice où on va travailler donc du ouvert et du fermé. En gros, le coup de poing, donc le bras qui est devant va être fermé et le bras qui est derrière va être ouvert. On va se rendre compte d'une chose, c'est que quand on fait cet exercice-là, ça peut être un exercice vraiment de coordination. On ne vous demande pas forcément d'aller vite, d'accord ? Quand on va aller travailler maintenant sur l'autre exercice, ça va être justement de voir un petit peu les armes, les outils qu'on peut utiliser dans notre ninja. Par exemple, là, on est sur donc des coups de poing, sur des coups de paume avec les doigts qui sont tendus vers le haut, ou des coups de paume avec les doigts qui sont sur les côtés. Et ensuite, on a aussi donc les tranchants et les piquets. D'accord ? Donc ça, ce sont des armes qu'on retrouve très, très facilement dans le Wing Chun et qu'on utilise à différents niveaux, selon qu'on soit sur le Xing Yun Tao ou Xing Yun Tao, ou sur le Chun Q, ou sur le Byudze, d'accord ? Donc après, ça dépend vraiment de votre école. Quoi qu'il en soit, quand on travaille ce type d'exercice, on va pareil travailler, entre guillemets, le lien. On va mettre du lien entre chaque technique. On ne cherche pas forcément à être le plus propre possible, mais on veut être le plus fluide possible. Plus je suis fluide, et plus je pourrai apporter des réponses en mode échange, application ou sparring, plus je serai apte à noyer mon adversaire sous différents axes et différents niveaux, puisque finalement on va se rendre compte qu'il y a des frappes qui vont arriver au niveau des yeux, d'autres au niveau du cou, d'autres au niveau du plexus, d'autres au niveau de la tête. Le but en effet, c'est de pouvoir à un moment aller de plus en plus vite. Si cela est possible, ne vous gênez pas. Essayez justement de ne pas sentir une contraction musculaire, mais juste entre guillemets une pression vers l'avant et une intention dans le mouvement que vous allez donner. L'intention ne va pas se situer forcément dans le bout de vos mains, c'est-à-dire à l'impact, puisque là il n'y a rien devant vous, mais ça va plutôt se situer au niveau des coudes. Vous allez essayer de déclencher une impulsion comme si vous vouliez allumer un briquet ou allumer la lumière quand vous cliquez sur un interrupteur. Et tout de suite, l'énergie doit se transférer à l'autre bout de vos membres, d'accord ? Donc ça va être important. Au bout d'un moment, pensez à vous amuser, pensez à faire les choses pour vous, à prendre du plaisir dans ce que vous faites, et ne cherchez pas à être forcément le meilleur. Ce qui compte, c'est de s'entraîner, de progresser. Vous l'avez vu dans la vidéo, à un moment, je me suis trompé, mais peu importe. Je suis en train de m'entraîner, donc l'erreur est la bienvenue pour pouvoir s'améliorer. Donc, n'hésitez pas, continuez à faire ça et on se revoit très bientôt. Bye bye à tous.